Yo l'équipe, c'est Félix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, petit vlog sneakers, on va être avec Central, on va racheter de la sneakers. J'ai des bulks ici à vous montrer. Il y a également Théo qui vient de nous rejoindre un peu dans la nouvelle équipe et qui va être branché avec moi sur toute la partie sneakers pour qu'on développe ça tranquillement. Voilà, ça va faire un petit vlog, je sais pas, ça va durer peut-être 24, 72 heures, je sais pas, on va vous mettre plein de rush, plein de sneakers, vraiment genre dans tous les sens. Et vous montrer un peu le quotidien quoi, mais encore plus en détail et plus en charbon. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Comme d'habitude, on fera gagner un petit e-book, un commentaire aléatoire. Aujourd'hui, on a une grosse journée. On a un meet-up à 14h où on va racheter des petites paires under retail alors que vous pouvez revendre directement pour 30€. J'ai un unboxing là de Dunk Disrupt Black Panda. Il y a une visite aussi à programmer pour vos petites boutiques éphémères avec Central. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et voilà, on se retrouve directement derrière la caméra. Je vais donner tout ça à Théo qui va gérer. Ça, je viens de recevoir ça ce matin, les refs. J'ai acheté ça à un gars sur Facebook, je crois. Il y a 9 paires normalement. Il y a des bêtes de size en plus, 43, 37,5. Bon, ça c'est pas des bêtes de size, mais 42 peut-être, Bellec. Tiens, filme-moi tout ça. Du coup, c'est des Next Nature, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour tous ceux qui ont vu le vlog à Bruxelles, j'ai essayé de bulk quelques-unes de ces paires-là. Elles sont pas encore sorties officiellement sur Nike. Elles sortiront, je crois, fin décembre. Mais je voulais bulk parce que dans le sens où bah, le prix, il est très très faible aujourd'hui. On peut racheter à 130-140. Personnellement, pour tout ce bulk-là, j'ai racheté 140€ de paires. Peut-être que je me précipite. En tout cas, je sais que à Noël, bah ça va bien décoller. Surtout là-dedans, il y a des 43. Comme vous pouvez le voir, un petit 43 là. Et ça, bah With The New, aujourd'hui, par exemple, ils le vendent combien? 350, non? Un truc comme ça? Ouais, 211 alentours. Ouais. Je sais pas, et genre du coup ils reprennent aux alentours des 200 faciles là. Je suis déjà en bénéfice on va dire sur les plus grandes tailles. Donc voilà pourquoi selon moi c'était un bon petit plan. Et de toute façon je vais attendre un peu. Après il faut savoir que cette paire elle est pas sortie officiellement, mais que With The New ils la vendent quand même. À voir, enfin genre c'est assez spécial, parce que dans le sens où là ils ont la White Grey qui est pas encore sortie, mais ils la vendent pas. Et celle-ci ils la vendent déjà, donc je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a pas mal de quantité qui est déjà sur le marché. Aujourd'hui tu peux racheter vraiment pas cher la paire. Elle cote pas trop. Quand on sait le potentiel des Disrupt 2, que ce soit la La Sheet, la Pelivory aussi qui avait bien pété. Pour moi c'est un bête de bon haul. Donc vas-y, on va essayer de tout enlever et voir ce que ça donne. 43. Les boîtes elles sont un peu abîmées. Ça passe ça With The New? Ah ouais, c'est quand même un bon défaut, je pense pas. Ah ouais, c'est relou en plus. Ah ouais, elles sont toutes défoncées. Ça achète under retail. Hein. Hey, y a des bêtes de size ça. Et 9. Tout est là. Oh, justement les gars, là, on est en train de parler de la paire. Théo il me disait ouais, il préfère offrir ça à sa meuf qu'une Dunk Black. Ouais. C'est vrai que je suis un peu d'accord, mais après la qualité, get ici là. T'as dit, je sais pas, genre ça, c'est pas foufou. Ouais, c'est pas la folie la paire, mais elle est clean. Hein. C'est une belle paire. Ouais, c'est une belle paire. Bah comme je l'ai dit, genre tu sais, quand tu connais un peu le tarot des Disrupt 2 là, Malachite commence à augmenter. Et surtout la Disrupt Pelivory, t'as vu ou pas le prix? Ouais, j'ai vu ça. Des offres à 350, 443. C'est clean, tu vois. Elle est clean. Hein, ouais. Et c'est pour ça que j'ai bien fait de racheter, je pense. Mais bon, ça va pas finir de drop tout de suite, parce que Nike ils ont pas. Faudra attendre. Ouais. Mais les prix ils risquent d'augmenter, hein. Vu ça. Que c'est pas sorti officiellement. Bah, en fait, c'est ça. Genre, moi je me dis, soit je le tente à Noël là. Je revends à Noël, genre quand les prix augmentent bien. Ou sinon, je hold genre sur le long terme et j'attends de faire un truc comme la Pelivory, tu vois, dans le sens où la paire elle a augmenté à 350€, genre quelques mois après, tu vois. Un des deux à voir. On verra bien de toute façon avec Noël. Je pense qu'on va les lister sur With The New et on verra les offres à combien. Donc, voilà les G. Bah, nous on va foncer au meet-up là. Wesh, il est 14h24. Ah ouais, on doit foncer. Les gars, on a meet-up à 14h30. Ouais, je suis sur le chemin, vas-y, c'est carré. En plus, le mec, c'est grave un bon, il nous vend. Ouais, vous allez voir le tarot. Je pense pas on va filmer sur la caméra, on va filmer sur le bigot. Ouais, c'est mieux. Parce que voilà, on veut pas trop montrer, mais vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc là, nous, on va foncer et c'est go. Vas-y, on s'équipe, parce que là, il fait froid. Go, let's go, les gars. Comme taille, du coup, il y en a 3. Ouais, t'as comme JD? Ouais, il y en a plus là, non? Après, t'as vu, moi, t'as vu ça, j'ai fait Ritter. Ouais, c'est ça, c'est carré. Tu vas en avoir combien? Pourquoi? C'est de la taille. Bon, les refs, on va faire la visite là maintenant. On est retourné, les fers sont ici, tout est carré. Donc la petite visite sera pop-up aux Abbesses. Il y a le Is qui nous a rejoint. Il va vous dire salam, hein, je pense. Ouais, c'est salam.
Je vous passe la visite, hein. Fait comme le frérot là, vous allez avoir du mal à visualiser. Ne vous inquiétez pas, Isaac, il vous prépare quelque chose de lourd là. Je le sens. Tu peux répéter un peu ton idée là, ce que tu viens de. On va mettre des petites photos hein, qu'on a shootées là. Ça fait un an et demi, on fait des shoots. Voilà, on va les utiliser. En hein. Poster Poster, hein, je pense, hein. C'est une bonne idée. Hein, vas-y, go, 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 go. Jour 2, petit café pour le début de la journée. C'est carré. J'ai dit, je viens de récupérer quelques colis là, dont un. Pas très satisfait de ce que je viens de voir. Ça, je crois que c'est normalement c'est New Balance 2002. Hein. Bonne paire de ouf. Surtout pour Noël là. 43, je sais plus. La paire a été deal sur Discord. Après, acheté sur Vinted. Je sais pas pourquoi le mec il voulait que passer par Vinted. Mais ouais, ça avait d'abord été deal sur Discord. D'ailleurs, si vous voulez la liste Discord, je peux pas vous la mettre parce que c'est que des liens. Mais elle est disponible dans le Discord du coup pour le coup. Déjà sur le coup groupe de 1 et également sur le Discord de l'ebook là, Alert Lab. Sinon, je donne la liste des groupes Facebook. Je donne pas mal de listes en newsletter de mon site. Donc, je vous mets tout ça lié en bio. Vous avez juste à inscrire votre mail et vous recevez 5 listes. Les meilleures tailles à resell, les paires qui se recèlent le mieux, où revendre ses paires, etc. Les groupes Facebook, tout ça. Donc si ça vous intéresse, c'est en bio. Checker la paire. Enfin, des clean, hein. Big size, rose. Mais moi là, j'ai pété une paire aussi pour. Je peux pas dire pour qui pour l'instant, mais j'ai pété une paire et elles sont d'art. Aussi, j'ai racheté de la purple un peu. Mais rose et purple, les gars, vous pouvez être sûr que ça, à Noël, ça va bien monter. La paire, elle est kiffée. La paire, elle est cool, elle est quali, elle est d'art. Donc ça, c'est un très bon choix. Et l'autre paire dont on va parler, les gars. Récupère le colis comme as. Déjà ouvert, c'est ça dedans. C'est ce que je devais récupérer. Strange Love. Ah ouais. 1000 balles, récupère as. Ça c'est vraiment les points négatifs dans notre milieu. Hein. C'est les livraisons, c'est un bordel. Il y a trop de problèmes avec ça et tu te fais trop péter des paires vite. Après là il y a eu un problème sur l'adresse. Donc je peux pas trop. C'est une galère mais. Non, moi ça fait beaucoup, je me suis fait péter une Travis Scott, une Strange Love. Ça fait mal aux fesses quoi. Les gens sont pas honnêtes surtout. Ouais c'est ça. Bah déjà je sais pas si c'est les gens de base. Parce que t'as vu ça, on vérifie de fou avant de passer un deal ou quoi. Je pense que c'est plus les livreurs quoi. Les livreurs ils sont pas carrés hein. Ouais, surtout quand c'est plusieurs paires qui livrent dans la semaine à ton nom, au bout d'un moment. Ouais, crame. Après, ça dépend, ouais. Je sais pas, moi je pensais que j'avais une bonne relation avec le mien en vrai. Je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas. J'avoue, je sais pas, c'est bizarre. Moralité, mettez une assurance quand vous faites livrer des paires parce que si ça vous péta comme ça, vous pouvez être assuré au moins, vous pouvez avoir un remboursement. Même si vous allez attendre le temps du remboursement, c'est relou. Mais il y a des chances que vous l'ayez quoi. Que là, recevoir des trucs comme as alors que tu dois recevoir une paire à 1000 balles, tu vois. Heureusement qu'il y a un truc derrière. Voilà, nous on va continuer là, on va avancer dans la journée. Ah, mais hier, je crois, vous avez montré. Et du coup, on a récupéré celle-là, là, bonne beige. C'est toi, t'as pris la box carré, toi. Ouais, enfoiré. Hein. Et du coup on a récupéré trois bonnes beiges, il y en avait une avec une boîte carrée et l'autre la boîte elle était pas très carrée, enfin les deux autres elles sont pas très carrées. Du coup ça aujourd'hui là nous on rachetait 120, du coup 115 115 2 et une 120. Parce que box damage donc elle est un peu abîmée mais vite fait. Et le mec il nous disait quoi, ouais je galère à vendre tout ça alors que juste aujourd'hui et même je sais que ça faisait quelques jours maintenant, il y a des offres with the new, après peut-être lui il voulait prendre du cash je sais pas. Ouais. Mais il y a des offres with the new à 145 sur les buy size donc du 36 au 39. Donc ça vous pouvez être sûr de vendre à Noël 160, 170. Mais aussi les boîtes elles étaient marquées aussi. Ouais les boîtes elles étaient marquées. Les vendeurs JD ils font ça pour éviter le resell donc voilà. Mais de quoi on a fait un petit braquage parce que après j'avoue c'est pas retail 100 balles ni 110 balles quoi mais 115 en vrai c'est carré dans le sens où ça va monter, on pourra vendre 160 à Noël, c'est un petit coup de flip sympa quoi. Donc voilà c'est tout pour les unboxing du day. Je viens de récupérer une nouvelle paire là, je vais vous montrer ça. Elle est clean de fou. Pour l'hiver je pense que c'est risqué parce que vous allez voir de toute façon. C'est pas une matière normale mais je pense que vous allez voir de quoi je parle. C'est la dernière fleece là, celle-ci. Elle est magnifique hein. Mais vous voyez là ici là, il pleut, il neige, la paire elle est foutue. Vraiment la paire elle est très très d'art. Donc ça on vient de récupérer. Là il y avait ça, c'était disponible sur courir à 130. Là il a racheté 130 donc on garde ça bien au chaud, ça va dans tous les shops. La paire elle est à 110, 120 retail sur Nike. Et vous pouvez cop entre 110 et 130. Voilà, très très bon choix ça cet été les gars. Ça va être masterclass. Après je sais pas, c'est déjà elle est un peu velours. À voir. Je sais pas quand les gens ils vont porter parce que c'est risqué de porter ça en hiver. Jour 3 l'équipe. Là il est 12h30. On a rendez-vous au local avec Fleub et Tom Fujiro, deux youtubeurs vous connaissez très sûrement. Ils vont venir au local, je crois que doit faire aussi une vidéo avec Tom. Je sais plus, je crois qu'il voulait me montrer des petits hauls, tout ça. Bah hier il s'est rien passé d'autre. Et là ce matin bah, c'était un peu le débrief parce que voilà, il y a eu quelques petites galères. Et donc là on va y aller hein. Je vais vous montrer les étiquettes également là des sapes qu'on a reçues, je vais vous montrer ça. Les petites étiquettes de sapes. Du coup avec le logo central, la taille, Central Elite Only. Tout se passera sur centralmontmartre.com. Suivez-nous sur Insta, central-du-bas-montmartre. Ça arrive très très prochainement, on n'attend plus que les t-shirts. Je viens de récupérer le petit
colis là, je sais pas ce que c'est, mais nous on go local. C'est trop quand il fait beau comme ça les gars. Ciel bleu, en tout cas soleil, et genre comme ça là, c'est ça fait plaisir. Hein. Surtout à ces mois difficiles là, ça rend heureux, ça donne le smile. Là on va tourner une petite vidéo avec le frérot, il doit montrer ses bananes, ses sales paires là, et je dois, et je dois lui dire ouais si la paire elle est carrée, mes projections, tout ça. Je crois qu'en plus il y a de la petite easy, donc ça va être intéressant. Ouais. La vidéo elle sortira quand? Lundi t'as dit? Peut-être lundi ou lundi d'après. D'ailleurs les gars, en parlant de ça, je crois que j'ai sorti un podcast. Je crois que le podcast il est sorti sur la chaîne de Trafiquant. Du coup je vous mettrai tout ça lié en bio. On a fait un podcast de 1h30 à peu près où je raconte ma vie, tout ça, comment j'ai commencé, par quelle étape on est passé pour créer Central Montmartre, etc. Donc je vous invite à la checker. Je vous mettrai tout ça lié en bio. Les frérots là, il est 18h, ils viennent de nous quitter. C'était grave tard. On a mangé un truc hein. Ça m'a calé de ouf. Là j'ai envoyé un petit TikTok, un meet-up avec un gars. Ça va partir. Je crois aussi il bosse sur un TikTok qui. Tu peux nous parler un peu plus du TikTok sur lequel tu as bossé? Pas grand chose à dire avant ça. Hein. La spéciale. C'est la spéciale de ce moment. Ouais. T'annonces combien de vues là? Je sais pas. Après, j'en retiens beaucoup, mais d'un côté. Montre le TikTok. C'est un truc sur un cargo. Hein. Mais d'un côté, vu qu'il y en a un comme ça qui vient de péter, je sais pas, on sait pas. C'est court, tu vas pas faire le million. Tu vas pas faire le million d'euros. Faut savoir les gars, on va vous donner cet exclu. Hein. Ceux qui ont des bons comptes TikTok, faites-les une minute. Hein. Du coup, nous on a notre thème, vous savez, c'est les petites négos au marché, tout ça, ça n'aime bien. Théo il a envoyé une vidéo, c'était quoi, un pantalon Carhartt, c'est ça? Ouais, pareil, un cargo, hein. La même en fait. Un cargo Carhartt à, tu l'as eu à combien? C'était 15. 15 euros, donc c'est pas non plus un truc de ouf. Si, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas en mode. T'as vu, je sais pas, genre, y'a rien de fou non plus, tu vois. Même sur Vinted, tu peux avoir 15 euros. Ouais, mais après, même en vrai, non, même 15 balles, c'était un truc à l'ancienne, fallait voter. Maintenant, t'auras un tas de monde. Mais bref, voilà, il a fait une petite vidéo sympa, tout ça. Ça fait combien? Une minute, un peu plus d'une minute? Une minute pile. Une minute pile, c'est vrai. Une minute pile. 980 000 vues aujourd'hui. Vas-y, montre-nous les chiffres aussi, carrément, que t'as touché là avec TikTok. 996. 996 000, bientôt le million. Et là, on va voir les chiffres. Montre à la caméra comment t'as fait avec ce TikTok. En plus, il vous sortira une vidéo sur TikTok aussi. Bah oui, je sais pas sur YouTube, mais gars, 840. Juste avec cette vidéo? Ah non, ah, juste avec cette ouais, vidéo. Ouais, juste avec cette vidéo. Mais bon, bah, bref, fait... j'avais capté. Elle a fait 996. Je dis combien? 996 000, ouais. Bah en gros, sur les vues que vous faites, vous avez des vues éligibles. C'est, je pense que c'est par rapport à un quota, faut tenir tant de temps l'audience sur la vidéo. Nous, par exemple, sur cette vidéo, c'était 996 000 vues. Là, au milieu, vous avez le nombre de vues éligibles. À gauche, le montant que la vidéo a rapporté. Et à droite, c'est le RPM. C'est en gros, là, c'est le nombre d'euros que je touche toutes les 1000 vues. Et donc, nous, on a un RPM à 0,92 centimes, ouais. Et au final, t'as fait 600 euros sur cette vidéo, sur une vidéo. 600 euros, ouais. Une vidéo, 600 euros. Après, là, il peut pas pour l'instant retirer les sous. Ah ouais. Pour ça, mais du coup, ouais, 600 euros sur une vidéo, les gars, vous imaginez. Après, c'est sûr, les vidéos à 1 million, t'en fais pas tout le temps, mais. C'est la première, gros. Ouais, c'est vrai. C'est la première, mais tu vois, tu peux taper des chiffres pas mal quand même, mais ouais, c'est ouais, chaud. Ouais, voilà, tu peux être autour des 100 000. Ouais, c'est dingue. Mais bah ouais, tu peux, si t'arrives à. Si t'as un bon thème et t'es assez régulier, tu peux faire tes 50 balles régulièrement sur une. Enfin, ouais. Entre 30 à 50 balles facilement sur une vidéo, et si tu le fais régulièrement, ça te fait un petit chiffre en fin de mois. Ouais, mais attends. C'est quelque chose à pas négliger en vrai, si on a un petit compte. Déjà, ouais, vraiment, t'as 10 000 abonnés, je pense que c'est un truc sur lequel faut surfer. Et avant, je faisais pas, je me suis branlé, mais j'ai commencé à faire aussi les vidéos à d'une minute. J'ai pas pété les scores, mais j'ai fait des petites. Sympa. 40 euros. Mais bon, ça paye, ça. En vrai, c'est cool. Ça, surtout, ça rémunère du contenu auquel tu t'attends pas forcément à être rémunéré. Donc, Et après, sur ces 40 euros, t'as envoyé combien de vidéos à plus d'une minute? C'est ça la question? Je crois que j'en ai envoyé 3. T'as eu 3 TikTok qui prennent peu de temps, au final, 40 euros. Surtout, c'était des rebondissements, t'as vu? C'était genre réaction à Kanye West, StockX, tout ça. Ouais, voilà. Des trucs, des petites histoires. Là, j'en ai un sympa, je crois que je vais le tourner. Moi, je pense que je vais refaire ta veste. Hein. La Canada à 10 euros. Rejoignez-nous sur le TikTok Central de Marthe, vous allez bientôt la voir. Celle-là. Aujourd'hui c'était dur les gars, là je vais envoyer un TikTok. Bien sûr en ce moment on est chaud sur les 1 minute. Hein. Là j'ai galéré, j'ai fait des petits trucs sur CapCut Crary, vous savez à quoi? Il y a le logo CapCut. Bah maintenant je vous avoue, je le rajoute. Quand je vois ça fait 56 secondes, 58 secondes. Si vous voyez la vidéo elle fait 1 minute pile, vous comprenez pourquoi. Bon j'allais un peu faire ça, t'as vu si je peux prendre un petit billet en plus. Rejoignez-moi sur TikTok les frérots. D'ailleurs les refs, si vous cherchez des paires, DM directement Félix sur mon compte Insta. On a changé un peu tout le protocole de vente avec Central, je vous expliquerai plus tard. Mais donc là en ce moment ça se passe plus sur Central, on fonctionne plus via le site internet quoi. Donc voilà, je vous expliquerai ça prochainement, on verra ça ensemble. Jour 4 les refs, on s'occupe de mettre toutes les paires sur le Insta là. Donc là on fait toutes les photos ici. Là on a de la Disrupt Black. Je vous affiche le compte Instagram, en gros c'est le compte Insta de Central Sneakers.
qui a été repris parce que du coup on vend plus de sneakers sur Central Mar. Tout se passe maintenant directement sur l'Insta. Bah, je vous mettrai tout ça lié en bio pour toutes vos paires pour Noël. Voilà, vous aurez tout sur Insta. Maintenant il n'y a pas de site internet ou quoi. C'est directement faux DM. C'est Théo et moi qui allons répondre à tous vos messages. On a pas mal de paires. Du coup là il y a toutes les paires en stock. Il y a également du consignment. Du coup il y a plein de paires qui sont pas forcément à moi, qui appartiennent à des autres qui sont directement dans les stocks. On fait également des commandes, genre des paires qu'on n'a pas forcément en stock directement. Et ça par contre on demande un acompte et tout se passe genre sur l'Insta. De toute façon on vous expliquera tout si vous demandez des paires un peu plus précises ou un peu plus chères. Voilà, je vous mets tout ça lié en bio. N'hésitez pas à cliquer, on va filmer un peu cette journée parce que je pense que ça va être sympa. Là c'est officiel, on vient vraiment d'activer ça. Sur le site c'était trop compliqué à gérer, c'était pas forcément en fait ce qu'on voulait faire et on était un peu genre comme tout le monde, tout ça. Donc c'était assez dommage. Donc là pour l'instant on passe sur le Insta. Théo il est toujours en train de faire les photos sur les sneakers et vient de me sortir cette paire les gars, la Harvest Moon, la paire la plus dégueu qui soit, frère, elle flaine. Là ça va vendre à Noël hein, parce que c'est pas monté comme prévu. Je crois que j'avais racheté cher, en plus je crois que celle-là c'est un 42,5. Là va falloir vendre, il rappelle des mauvais souvenirs le frère. Mais bref, moi je suis sur le haut là de la Kentucky, je suis en train d'écrire tout ça ici. Bref, là c'est sur ça que je travaille aujourd'hui pour envoyer un petit haul sympa sur la Kentucky dans le groupe. Je vous en dis pas plus, mais la paire va décoller, ça c'est certain. On peut racheter la bête de prix, donc non, c'est très carré. Moi là je vais me prendre quelques-unes. Ouais, très old en perspective sur juillet. Donc ça c'est carré. Moi je vais continuer à faire ça. Là c'était la petite séance interruption Harvest Moon, la paire la plus flingaille de l'histoire, qui a tué je pense pas mal de personnes. Nouvel arrivage les refs, ça va vous mettre bien pour Noël là. Y'a que des bangers, que des paires que les gens veulent. 550, très fraîche, très clean. Taille 38. J'ai même plus son blazer. C'est une white grey bizarre. Mais bref, très clean. Du coup, ça c'est pour un client. Et on a la Dunk Magma en taille 42. Peur qui dort un peu partout. Hein. Et voilà la Magma. Tu peux en dire la paire, elle est. Tu peux en dire un. Hein. Chelou, ouais, c'est vrai. Même la semelle, on dirait une Next Nature. Genre, elle a plein de petits points noirs, tout ça. Ouais, non, je suis pas fan. Mais les gens, ils aiment bien, je crois. La preuve, on a de la commande donc. Ouais, c'est clean. Donc voilà, deux petites paires. Très sympathiques. Les gars, faut qu'on parle d'un truc. Parce que là, j'ai reçu un truc. Ça là. En gros, je vais vous raconter l'histoire. Un gars, il a commandé sur Central une veste en Island. Tac, il passe commande, normal, tout ça, pas de galère. Nous, on lui envoie du coup la semaine prochaine, parce qu'il commande, je sais plus, en fin de semaine, je crois. Et nous, on lui envoie début de semaine. Du coup, boum, il reçoit tout ça. Et il nous dit, ouais, les gars, j'ai reçu une paire par contre. Moi, je n'ai pas reçu le message. C'est Isaac, il est sur l'Insta. Il me dit, ouais, il y a un mec qui a reçu une paire, une 550. Mais il monte pas la boîte ou quoi. Il dit, ouais, juste une 550 rouge. Je dis, ouais, je comprends pas tout ça. Moi, j'ai jamais envoyé de 550 rouge. En ce moment, il n'y avait pas eu de commande sur ça, tout ça, je comprends pas. Du coup, on voit avec le mec, on lui donne un bord de retour pour qu'il nous renvoie la paire et que, en fait, on lui envoie son Boston. Parce qu'en fait, on s'était trompé. Au lieu d'envoyer le Stone, on a envoyé une paire. Et là, du coup, je reçois la paire aujourd'hui. Et en parallèle de ça, je me rends compte qu'il y a un client qui vient me dire qu'il a pas reçu sa Air Max One Travis Scott, que pourtant j'avais très bien envoyé en 42,5. Du coup, là, ça fait tilt. Je me dis, une 550, j'ai jamais vendu. Il me dit, il a reçu ça. Et en parallèle de ça, l'autre, il me dit, il a pas reçu sa Air Max One Travis Scott alors que j'ai envoyé. C'est chelou. Sachant qu'en plus, nous, on a fait les bons avant qu'il nous renvoie la paire. Nous on a envoyé son Stone Island parce que du coup on lui a dit on t'envoie le bordereau, nous on t'envoie le Stone Island, toi en attendant envoie nous la paire. Et là le frérot je reçois une, du coup cette paire là, une box bien cassée, bien destroy. Et ça essaye de nous la mettre dans le sens où le mec il a reçu la Air Max de Travis Scott et il essaye de nous faire croire qu'il a reçu ça alors que nous on a jamais envoyé ça. C'est en partie pour ça aussi qu'on arrête un peu de passer par les sites internet parce que ça commence à être relou toutes les histoires d'arnaque tout ça. Voilà, les gens ils croient qu'on est con, qu'on réfléchit pas. Malheureusement on n'a pas aussi autant de quantité que un Wizony ou quoi, donc ça on tombe pas dans le piège. Et donc là on va régler cette histoire avec cette personne là dont je dirai pas le nom. Et voilà quoi, juste pour prévenir de tous ceux qui vendent en ligne de faire attention parce qu'il y a des gens qui sont bien malins. Après au départ ça part de notre faute, mais nous on essaye de tout régler et les gens ils sont pas honnêtes quoi. Donc faites attention, c'était petit storytelling. Je pense que je vais aussi en parler sur TikTok pour faire les 1 minute, vous connaissez. Les petits, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai emmené avec moi du coup, je crois c'était 3 ou 4 jours, je sais plus. Là il y a du très lourd qui arrive, j'ai plein d'idées en tête. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne. On a dépassé les 25 000 là. Merci encore du fond du cœur. Ça serait bien d'atteindre peut-être les 30 000 avant Noël. Un truc comme ça, ça pourrait être d'art. Likez, commentez. Et voilà, comme d'habitude, un petit hibou en commentaire. Il y a une vidéo aussi également qui va arriver du coup sur la chaîne de Tom Fujiro. Je vous mettrai tout ça en bio. Je crois que la vidéo, il m'a dit normalement ça sort lundi. Il me proposait quelques paires à hold et moi je devais lui donner mon avis sur ces paires là. Donc ça peut être grave intéressant. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog et nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Dites-moi si ce concept vous plaît un peu plus de vlog. Vas-y sur plusieurs jours, comme ça je vous en ferai d'autres avec grand plaisir. Voilà l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.